cette période de reconfinement, si j'ose dire, on avait comme projet avec l'Héliosport, M. Migliaccio et également la DGA, Annick Martin, de lancer le sport adapté au sein de Sanary-sur-Mer. Le fait est que le confinement, on a dû annuler la réunion qui était prévue avec les différentes associations et différents partenaires que peuvent être le STAPS Toulon ou le comité départemental. Et donc on s'est dit, bon, même si on ne fait pas cette réunion, il y a un constat qui est assez simple, c'est que les équipements sportifs sont disponibles en raison de l'absence des associations et les associations sont aussi disponibles un peu plus, si j'ose dire. Donc on a utilisé ces créneaux disponibles pour demander au comité départemental s'ils avaient un besoin au niveau du sport adapté pour justement profiter de nos équipements qui étaient libres et lancer ce projet de sport adapté avec les associations qui étaient intéressées. Aujourd'hui, il n'y a aucune association qui propose à proprement dit du sport adapté. Il y a des associations qui ont du sport handicap, mais de sport adapté, il n'y en a pas. On s'est dit, ça serait dommage parce qu'on a tous les équipements, on a les compétences au niveau humain avec des associations très performantes, mais bien évidemment, il faut mettre en relation les acteurs. Donc, l'acteur comité départemental du sport adapté nous a dit, nous, on a des besoins. On a des personnes qui veulent faire du sport, mais qui n'ont pas les équipements, qui n'ont pas les associations, qui souhaitent nous accueillir. Nous, à Sanary, si, on a cet entrain-là et on s'est dit pourquoi pas rassembler les deux. Et aujourd'hui, on voit que ça marche. On sait la première séance de sport adapté sur la commune de Sanary et qui, on l'espère, va en entraîner bien d'autres. Alors nous, du coup, au comité, on est vraiment là pour développer le sport en général pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc le but, c'est qu'ils trouvent le sport qu'ils aiment de par ce que l'on propose. Alors du coup, il y a déjà des associations qui accueillent, notamment, je sais, il y a une association de danse qui accueille déjà du public et d'autres qui seraient intéressés. Du coup, c'est pour ça qu'ils viennent aujourd'hui pour voir un petit peu les capacités qu'ils peuvent avoir et du coup échanger avec nous sur la façon de pouvoir les accueillir au mieux en fait. Et du coup, je pense qu'il y a des associations, là notamment il y en a 5 ou 6 aujourd'hui, qui du coup, après, par la suite, après le confinement, pourraient accueillir ce public dans leur association. Le handicap est un public prioritaire, donc il a toujours possibilité d'avoir accès aux structures notamment. Et du coup, ça permet aux associations de continuer une activité pendant ce confinement où toutes les autres activités ne sont pas autorisées.